Bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission de 97.4 Foot Plus, en espérant que vous avez passé un excellent week-end. On va parler de la 10e journée et du championnat avec au programme, comme la semaine dernière, quelques belles affiches et notamment un choc entre équipes qui jouent le haut de tableau. Une fois encore, c'est l'Excelsior qui était concerné avec ce déplacement périlleux hier après-midi au stade de l'Embarquis du Port face à la Jeanne d'Arc. Et après le revers justement subi par les Saint-Joséphois la semaine dernière face à la Sainte-Marienne, ne pouvait se permettre une deuxième défaite consécutive au risque de difficultés supplémentaires. Jeanne d'Arc, Excelsior, l'affiche de cette 10e journée. C'est dans 97.4 Foot Plus, évidemment. Les Portois avaient mis les petits plats dans les grands à l'occasion de cette réception de leaders. Un public évidemment nombreux. Le COP était particulièrement en forme et les deux équipes pratiquement au complet. Le maillot orange, donc c'est l'équipe de l'Excelsior évidemment, et en mauve, l'équipe de la Jeanne et les présentations officielles puisque les autorités étaient là. En l'occurrence, les deux maires, ça fait. C'est pas toujours qu'on a l'occasion de voir, alors que ce n'est même pas une finale de coupe, les deux maires des équipes présentes côte à côte se saluer et faire les présentations, à savoir M. Warreau, le maire du Port, et M. Patrick Le Breton, le député maire de Saint-Joseph. On connaît les données sportives. Eh bien, l'équipe de l'Excelsior, donc le leader avant le coup d'envoi de cette rencontre, ne pouvait continuer à lâcher des points comme la semaine dernière. Bon, c'était un accident sans doute, mais un accident qui pourrait très bien avoir quelques conséquences si il n'y avait pas possibilité pour eux de se racheter dès ce dimanche après-midi au stade Lambrakis du Port. Alors battre le Port, maintenant battre la Jeanne d'Arc, une équipe en pleine forme actuellement qui joue elle aussi les premiers rôles et qui espère, pourquoi pas donc enlever ce titre de champion de la Réunion 2015, eh bien il faut être costaud. L'équipe de l'Excelsior qui passait donc quelque part un sacré test pour savoir si elle est capable de prétendre à ses ambitions clairement affichées, à savoir remporter le titre de champion de la Réunion 2015. Alors les deux capitaines pour le coup d'envoi de cette rencontre et une équipe de l'Excelsior qui va dès les premières minutes montrer que c'est elle le patron, c'est elle le leader. Elle va mettre donc la pression sur toute une organisation telle que l'équipe de la Jeanne, dont on connaît les forces depuis le début de la saison, ne pourra jamais s'exprimer. Et côte à côte, les deux maires dont vous l'avez vu ont regardé cette rencontre et c'est sur de nombreux coups de pied arrêtés que l'équipe de Saint-Joseph, l'équipe de l'Excelsior, va se signaler au cours de cette première mi-temps-là qui oblige Grégory Posé, le gardien portois, à une première belle parade. On reste toujours devant les buts portois. Regardez, c'est un autre coup franc, toujours situé à une vingtaine de mètres. Cette fois, ça passe au-dessus. Et signe que la défense portoise avait quand même tout verrouillé, quitte à commettre des fautes, à l'entrée de la surface de réparation, juste avant pour protéger ses buts. Cet échappé, on l'a vu, aurait pu se terminer par quelque chose de plus positif pour l'équipe de la Jeanne. Eh bien, il n'en est rien. On en est toujours à 0-0. Ce puissant coup franc et finalement une reprise de El Madakri m'a signalé fort justement hors jeu. Donc les occasions sont beaucoup plus nombreuses pour l'équipe de l'Excelsior. La Jeanne n'a pas encore mis le nez à la fenêtre, pourtant elle a des arguments offensifs. Tenez par exemple ici avec cette reprise de Briton totalement ratée à hauteur du point de pénalty et qui passe largement au-dessus des buts de Michael Grondin. Les buts s'écoulent. Et l'Excelsior est la plus prompte à se mettre devant la cage portoise, mais on en reste là 0-0 à la pause. Une mi-temps mise à profit par les dirigeants de la Jeanne pour présenter les jeunes pousses portoises. C'est toujours l'occasion de les mettre en avant, de les mettre en valeur, c'est fort bien. Et pour cette deuxième mi-temps, c'est finalement l'Excelsior qui va trouver la faille en premier avec ce superbe centre repris de la tête par Jean-Michel Fontaine. Vous l'avez compris, on était à peine revenu des vestiaires, 48e minute. Et c'est donc le leader qui ouvre fort logiquement le score grâce à cette magnifique reprise que l'on va revoir. Et ce coup de tête de Jean-Michel Fontaine qui inscrit ici son 100e but. Et c'est une statistique qui nous est révélée par Damien Begg, le sympathique animateur
du site internet qui marche plutôt bien, Foot de Lille. Donc, 100e but pour ce garçon, Jean-Michel Fontaine, une équipe de l'Excelsior qui va continuer à mettre la pression, même qui est sur le point d'inscrire un deuxième but sans cette belle parade de Grégory Pousset. 1-0, mais on sait jamais, et des fois que la Jeanne, à son tour, se crée une occasion de réduire le score, en tout cas d'égaliser, pourquoi pas, on pourrait avoir droit à une fin de match, pourquoi pas, intéressant de regarder cette action pour la Jeanne, c'était sans doute la plus belle occasion pour les Portois de réduire le score, de revenir à la hauteur d'un adversaire qui a quand même dominé les débats, on n'en a pas douté, les images sont là pour en attester, la Jeanne qui va en cours de ses 30 dernières minutes se créer une autre occasion, là il est un petit peu trop court Bruton pour reprendre ce ballon. Mais l'Excelsior aurait bien pu également marquer plus rapidement un deuxième but. Et bien ce sera le cas à la suite de ce débordement de Nadouane sur qui l'ultime défenseur portois va commettre la faute. Et c'est un pénalty incontestable transformé par Mohamed El Madagri qui permet à l'Excelsior de repartir dans le jeu sauvage avec non seulement la victoire mais une victoire incontestée. 2-0 face à des Portois qui n'ont rien à remettre en cause. Mais on écoute d'abord tous les réactions. Un résultat malheureusement négatif, mais une équipe qui se solidifie et qui reste motivée et soudée. Et ça, pour nous, c'est le plus important. Maintenant, il y a une défaite, il faut l'analyser, refaire le match, discuter, changer et surtout ne pas perdre la motivation pour aller jusqu'au bout. Vous réalisez quand même une très très bonne phase d'aller. Oui, on a des bons résultats jusqu'à présent, quelques chutes de temps en temps, quelques échecs. Mais comme je vous dis, la Jeanne n'a jamais eu une si belle équipe depuis longtemps. Et on est en train là aussi d'apprendre à maintenir les bons scores, à jouer les bons scores. On trébuche de temps en temps, mais c'est pour mieux se relever et aller jusqu'au bout pour gagner. On voit qu'on est encore dans la cour de l'apprentissage. On n'est peut-être pas encore tout à fait prêt. Là, ils nous ont montré ce qui nous manque encore quelques degrés d'expérience et de maturité pour pouvoir accrocher des matchs comme celui d'aujourd'hui. Le schéma de jeu qui est proposé en première mi-temps a quand même mis l'Excelsior en difficulté sur certaines phases, mais ils ont très vite compris le piège. Alors compris, je ne sais pas. Non, c'est vrai qu'après, on a été quand même bien embêté par rapport au vent, où on était acculé, on est resté dans notre camp. Après, les peu d'opportunités où on a pu jouer dans leur moitié à eux, on a été un peu dangereux, ce qui a été fait en deuxième mi-temps. Mais après, la reprise de la deuxième mi-temps nous a été fatale. Malheureusement, on est resté, on dirait, dans le vestiaire. À une journée avant la fin de la phase aller, tu peux me dresser un petit bilan de ton équipe? Positif, même si ce soir, on a concédé la défaite. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on a eu l'opportunité de pouvoir passer en tête du championnat, on a loupé l'occasion. C'est pour ça que je dis qu'on est peut-être encore en phase d'apprentissage dans cette première partie de championnat. J'espère qu'on va pouvoir rectifier tout ça pour être prêt pour notre revanche au match retour avec les Tessiens. Oui, une bonne équipe. Surtout devant, ils vont très vite. Il y a le petit Ariki qui va très très vite, qui va à 100 000 à l'heure. Mais bon, on a su le canaliser, on a su gérer ses moments forts. Et après, on a su mettre notre jeu en place et faire le job, comme on dit. À une journée avant la fin de cette phase aller, tu peux me dresser un bilan de ton équipe? J'ai une équipe, j'ai pas eu trop de pépins. Il faut dire que mon équipe, tous les postes sont doublés, donc à partir de là, je veux dire, on peut voir venir. Maintenant, notre principal souci, c'est qu'on a une équipe qui marque peu. Donc il faut voir comment on travaille ça à partir des éléments que nous avons, puisque, comme je vous dis, nous avons de quoi s'attaquer. C'est vrai que notre point fort reste la défense, mais le jour où on est mené, il faut voir comment on peut réagir. On a vu contre Sainte-Marie qu'une fois mené, on s'expose trop facilement.